Cercueil de bois clair ou de bois foncé, dans cette usine de lin, il y en a, si l'on peut le dire, pour tous les goûts. Chaque jour, 250 cercueils sortent de ces ateliers. Plus ou moins grands, plus ou moins larges, les ouvriers s'adaptent à la corpulence des clients, mais doivent aussi tenir compte des nouvelles pratiques funéraires. On peut noter une légère tendance à l'augmentation des cercueils en bois dits légers, type pin ou hêtre, qui sont en général plutôt destinés à la crémation. Chaque année, près de 530 000 personnes décèdent en France et un pic de mortalité lié au baby-boom de l'après-guerre est attendu dans les prochaines années. Des statistiques un peu morbides, mais qui réjouissent les pompes funèbres. Il y a peu de marchés qui soient comme celui-là, mais effectivement, chaque personne est un client potentiel pour un pompe funèbre, c'est évident. Et avec des prix allant de 600 à 6000 euros par cercueil, le business de la mort a encore de beaux jours devant lui. À lui seul, le groupe des pompes funèbres générales, qui organise aussi des obsèques, a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de près de 500 millions d'euros.